1987, Franco released the song Beware of AIDS. Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida. Shortly after, Franco himself fell seriously ill. D'abord, je lui pose la question, il dit, de quoi vous souffrez? Comme il était humoriste, il dit, mais il y a une usine dans mon ventre. La nuit, ce mécanicien travaille terriblement pour que je ne peux pas dormir. Il tape partout. On vient ici, on vient à Kinshasa. Donc le choc, c'est quoi? C'est que je l'ai vu, il était Franco que tout le monde connaît. Quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien. Et il vient nous chercher à l'aéroport. Et je le regarde comme ça, je dis, mais je... Après, je vois et... Il avait perdu au moins 30 kilos, j'ai dit, mais c'est papa. Although many people believed that the disease Franco had was AIDS, he himself denied it. Mais ce qui nous a dit, Nkolo, Azali, ce qui nous a profité, nous avons fait un peu de temps. Parce que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de autrement, nous avons fait un The once enormous Franco became emaciated and weak. On October 12, 1989, the musical legend from Congo, who had captured the stage for decades, took his last breath. Thousands of mourners gathered in Kinshasa for the funeral, and Mobutu declared 4 days of national mourning. Twenty-four years later, the Congolese government is immortalizing Franco. Billboards, signposts, and images of the famous musician are scattered around the city. He has become an icon. Il est mort, mais sa musique reste. Il est vivant parmi nous. Il est remplaçable, donc il chantait très bien avec ses chansons. Il donnait beaucoup de conseils. Il conseillait aussi des